Charger l'app Wipharma, c'est un geste simple, utile et solidaire quand on est bénévole comme vous pour les associations qui veulent bien faire le portage de médicaments gratuitement à nos patients. Très bien, vous pouvez m'expliquer? Exactement. Sur l'app, on peut tout de suite en fait se mettre sur commander. On rentre son code postal, ce qui permet de trouver facilement sa pharmacie. Une fois qu'elle est sélectionnée, je choisis le retrait sur place avec un bénévole avec lequel le patient s'organise, ou je choisis la livraison quand je n'ai pas de tiers de confiance. À ce moment-là, j'ai le choix de envoyer mon ordonnance, envoyer ma carte vitale, envoyer ma carte de mutuelle, rajouter un article à ma commande, laisser un commentaire à mon pharmacien mentionnant les produits que, par exemple, que je ne veux pas sur l'ordonnance. Ensuite, j'ai le choix de demander le renouvellement automatique d'ordonnance, un rendez-vous avec mon pharmacien ou de rajouter un autre commentaire utile à ma livraison. Je valide. À ce moment-là, je rajoute mon adresse en un clic. Je réponds à un rapide questionnaire de santé pour bien avertir mon pharmacien de mes allergies, de mes prises de médicaments, de mes traitements ou de mon état de santé. Je choisis d'être joignable par email ou par téléphone. Je suis un homme ou une femme. Mon mode de paiement, donc le chèque, le paiement en ligne ou autre. Donc je vais choisir le paiement en ligne. À ce moment-là, je clique sur « Accepter les conditions générales » et je finalise ma commande. Tout a bien été envoyé à mon pharmacien. C'est aussi simple. Merci beaucoup. De rien.